Amina, amina. 8. Yamnane. Obtenir le bon témoignage du Saint-Esprit. Kupata au kushuhudiwa vizuri na Roho Mtakatifu. Aide votre conscience. Na zamiri yako ndani kikuambia. Sikia. Amen. Écoute. Usiwahishi maisha. Faut jamais vivre. Yenye unagombanaka na zamiri yako kila siku. Don't you debat avec ta conscience chaque jour. Ni maisha machafu. Vraiment. C'est une mauvaise vie. Tu es en train de vivre. Tu sens qu'il y a des choses qui pèsent sur toi dans le cœur. Mais tu es en train de faire calmer ça. Et tu sens que si tu mourais, tu ne peux pas partir. Na unasikia ukikufa, et tu sens que si tu mourais, tu ne peux pas être accepté. Na ukisikia ya kwamba, et tu sens que kanisa likikwenda, si l'église partait, hawezi enda. Tu ne partiras pas. Unakuwa najikalme, mais tu continues à te calmer. Tuliza. Tu te calmes. Kama uko mtoto wa Mungu bitabomoka katu. Si tu es un enfant de Dieu, un jour ça va exploser. Oui, oui. Dieu avait donné à ses enfants deux témoins. Zamir na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit et la conscience. Amen. Amen. Je dis la vérité en Christ. Nasema kweli katika Kristo. Je ne mens point. Sisemi uongo. Ma conscience. Zamir yangu marant témoignage inanishuhudia par le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu. Ni facile le verset. Expliquez-moi ce verset. Est-ce qu'on angalia kule ngamu? Kule ni amani. Est-ce que là c'est en paix? Hein frère? Frère. Kule ni amani. Là en haut c'est en paix. Sawa. OK. Huku nyuma ni amani. Ici derrière, est-ce que c'est en paix? Ça va là-bas? Frère Temson, ça va là-bas? Chunga vizuri baba. Bien, il faut bien garder les gens là-bas. Mimi si c'est bongo, Paul Olwe. Paul dit, je ne dis pas les mensonges. Et je ne vous mens pas. Kwa zamiri yangu, par ma conscience. Na kwa Roho Mtakatifu, et par le Saint-Esprit. Bambia, ce que je vous dis. Joabi, ça, c'est la vérité. J'ai dit la vérité en Christ. Ninasema kweli katika Christ. Je ne mens point. Si c'est mi wongo. Ma conscience. Na zamiri yangu. Ma rend témoignage. Inanishuhudia. Par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Écoute. Je vous ai promis qu'aujourd'hui je finirai tôt. Bon, patientez-moi. Dans la vie, efforcez-vous. Ce que tu es dans la bouche. Et que ce soit ce que tu es dans le cœur. Il ne faut pas être une personne double. Tu parles comme ça. Et que dans le cœur il y a autre chose. Contraire à ce qui est dans ta bouche. Amen, amen. Mumaisha, dans la vie yako, et même ta conscience naye, et le Saint-Esprit que tu as na kama huya kuwa naye, et si tu ne l'as pas encore peke, ta conscience elle-même iwe inasema vyenye na kweli chenye uko njo kile. Qu'elle puisse parler ce dont tu es en vrai et que ce soit cela. Amen, amen. Tu vas croître rapidement. Mais, double, mais si tu es double. Chérie, je t'aime. Chérie, nakupenda. Magaribu natuma ma SMS kumengine banamuke, je vous aime. Le soir tu envoies des messages à d'autres femmes, je n'awapenda. Que Dieu vous bénisse. Tu donnes à quelqu'un la main, frère. Mungu akubariki. Et dans le cœur, tu dis, même si tu pouvais même mourir, tu ne pars nulle part. Amen, amen. Chenye uko. Ce que tu es. Na kile kile ndani kiwe kile. Et dans l'intérieur, ça doit être la même chose. Amen, amen. Tu vas croître rapidement. Zamir na roho bapatane. L'esprit et la conscience doivent se convenir. Na roho bakimuliza. Et si on demandait à l'esprit. Est-ce que wewe mwenye unayua banadamu? Toi qui connais les hommes. Huyu fille ni mtu mzima wala ni mnafiki. Est-ce que cette sœur elle est vraiment la véritable ou est-ce une hypocrite? Roho anasema. Et l'esprit va témoigner. Na mbele ya batu. Et même devant les gens. Na mbele yangu mie Mungu. Et même devant moi Dieu. C'est la même chose. OK, OK. Kitu kimoja. 2 Corinthiens 12. Wa Corinthiens. Mana, ce qui fait notre gloire, kinachofanya utukufu wetu. Unaona ni vya kutukuzwa sasa. La menace la glorification. C'est ce témoignage de notre conscience. Na, ni ushuhuda wa zamiri yetu. Que nous nous sommes conduits dans le monde. Namna tulivyotembea duniani. Et surtout à votre égard. Zaidi sana mbele yenu. Avec pureté et sainteté. Pamoja na utakatifu na usafi. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Non point avec une sagesse charnelle. Si kwa akili ya kimwili. Mais avec la grâce de Dieu. Bali pamoja na neema ya Mungu.
Je vous ai dit. Il y a quelque part où j'arriverai soit au numéro 9 ou 10. Je vais donner une grande remarque aux hommes. Ne faites pas que vos femmes soient enfermées dans la conscience et qu'elles puissent rater l'enlèvement à cause de votre méchanceté. La femme commence à faire une erreur. Si je le dis seulement, on va me tuer. Mais il faut que je me taise. Mais je ne vois plus ce thermos là. Même vous, les mamans, faites attention avec les enfants. Fanyeni hange na watoto. Ndiyo ndiyo. Please uko makali. Please tu es méchante. Please mtoto atakuwa nakwambia. Please l'enfant ne te dira pas la vérité. Oui oui. Namfanya prisonnier wa zamiri. Tirant l'enfant prisonnier de la conscience. Oui oui. Je vais lire rapidement. Nitasoma. Eh bien, vraiment, quand le père trouve un fils obéissant, wakati baba na pata mtoto mtivu, combien il aime venir et dire. Sorry. Combien il aime venir et dire. Namna anapenda kuja na kusema. Monsieur, bwana, votre fils est un parfait enfant. Huyu mtoto ni mwana mkamilifu. Oh, lo. Tes enfants sont obéissants. Watoto wako ni wativu. Ils aiment t'adorer. Wanapenda kukuabudu. Ils se rassemblent. Na wanafanana. Ils se rassemblent. Wanakusanyika. Ils élèvent les mains. Wanainua mikono. Ils wanainuaka. Wanainuaka mikono. Les larmes coulent les larmes leur coulent sur leurs joues. Machozi yakidondoka kwenye mashavu yao. Ils sont simplement pleins de joie. Na wana jafra. Oh. Jamen. Comme le Saint-Esprit doit aimer faire cela. Kama vile Roho Mtakatifu anaweza na kupenda hiyo. Car Dieu est un objet d'adoration. Mana Mungu ndio kitu cha kuabudu. Et Dieu aime être adoré. Amen, 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 amen. Mungu naye anapendaka aabudiwe. Un esprit en vérité. Katika roho na kweli. Écoutez le paragraphe 24. Ni katika ujumbe unaoita unaoitwa msikilize yeye. Mungu anakuwa naangalia kama. Dieu commence à observer que miabudio yako tes ta na façon d'adorer, na uhuru, tu adores en liberté. Kui, ukienda mumambo yake, et quand tu vas dans ces choses, bien, tu es bien. Kuambia, je te dis, hakuna kitu chenye kinalumaka mutu sa kuabudu na kuna mazambi. Il n'y a pas une chose qui peut faire mal à Dieu de voir quelqu'un qui adore avec des péchés. Toi-même, tu sais que tu es en train de tromper Dieu. Oui, oui. Tu te fais manquer la paix sans qu'il n'y ait personne qui te fait manquer. On peut dire les impudiques n'iront pas. Tu t'assois et tu vois cette femme là. C'est moi maintenant là, c'est moi là. Balédi, les ivrognes. Est-ce que je dois encore boire ou je laisse? Wanawake wakiotiwa umezao. Les femmes qui n'obéissent pas à leur mari. Le père de Télima est aussi déjà importuné. Pendant que les autres sont en train de jaillir avec la parole, toi, tu es en train de te querer. Le culte est fini, tu es vraiment chamboulé. Les autres ont adoré avec la joie. Changer. Le changement fait que les croyants puissent croître. Amen, amen.